Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de The Guild 2, dans lequel nous incarnons la famille du prince Tiob Unio, souverain à la ville de Perken. Alors c'est bientôt l'heure d'élection. On va élire en majorité la famille Erlandson, et je crois avoir compris ça. Honneur au sein de la Han célèbre. Peut-être qu'il faut que je me fasse bien voir de tout le monde. Alors, c'est pareil, hein, c'est une supposition, mais... Que à ce niveau-là, au niveau de la barre bleue, je sais plus comment ça s'appelle, mais... Il faudrait peut-être l'augmenter pour tout le monde, et qu'à partir de là... c'est peut-être en fait une moyenne de tous les personnages importants, en fait, de la manière dont on me voit de tous les personnages importants. Je vais essayer, parce que j'ai cherché, hein, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des informations supplémentaires que je pouvais trouver sur internet, mais... Ça donne vraiment pas beaucoup d'infos. On n'a pas beaucoup d'infos. Ils veulent garder ça secret. Ils garderont ça secret. On passe à la marée-chaussée. Bon, bien évidemment, on va y lire ma femme, faut pas déconner. Rien à foutre des quels-sorts. Non. Je me suis toujours montré utile. Pas besoin de menacer. Je vais vous accorder un moment de réflexion. Ouais. Ouais, donne-moi ton fric, quels-sorts. Dans tous les cas. Quelqu'un vous menace. Il est temps de prendre. Comment ça, il me menace? Quant à cette requête. Qu'est-ce que tu veux qu'il me menace, lui? Je vous remercie de votre confiance. Donc lesquels sont mon menacé? La suite de l'ordre du jour concerne le débat sur la charge suivante. L'honorable poste de consul. Je vais l'exclure de la ville. Le candidat suivant se présente. Et que vous pouvez toujours être utile au conseil. Je vais l'assassiner. Je devrais vous tout simplement. En prison. Prenez un peu de temps. Du coup, tu me fais peur. Quelqu'un essaie de vous soudoyer. Ouais, donne-moi ça. Quelle générosité. Allez, bien Erlandson. Voilà. Et voilà. Je vous remercie de votre confiance. Avec un grand plaisir, enfin. Je suis heureux que tu prennes le siège de ce poste. Je vous remercie de votre attention. Oh, de l'expérience. Oh, 840. Pas mal. Alors, quelqu'un vous menace. Bannir. Oh. Donc on va bannir quelqu'un, on va bannir l'évêque. Je le dis comme ça, ça peut paraître bizarre, mais... Au travail. Je vous interdis de venir ici à compter de ce jour. Chez... Hop, donc on va aller aux abords de la ville, et on va aller le choper. Il est où Kelson? On va le suivre. Je dois faire quelque chose au sujet de ces rongeurs, et vite! La guilde des artisans de Bergen. Ah! Alors. Ça m'intéresse. Voilà. Kelson, il est là. C'est ça. Ah, bah attends, il y en a deux des Kelson. Oh, regardez, Goosey Goosey, allez. Bien vu, bien vu. Et parce qu'il est bien vu, je peux pas attaquer. J'ai un squé, moi.
Attends, je vais l'offenser, moi. Attends, il est où? C'est lequel? Voilà. C'est lui. Très bien. Je dois faire quelque chose au sujet de ces rongeurs et vite. Avec plaisir. Voilà, je vais aller l'offenser un coup, ça va lui faire du bien. Hop, allez. Toi, va acheter des chaînes, des chevins. Rien de tel qu'une bonne bière. T'as du mal à la rattraper, hein. Pourtant, t'es Oui. en agilité, t'es bien, toi, purée. Déjà l'heure de partir? Ouais, exactement. Hop, voilà. Robustesse, culture et... économie d'espace. La demande d'un comptoir est terminée. Ah oui, alors toi, Je hop, ne sens pas consulter. ainsi toute ma Hop, vie. part en voyage. Toi, t'es là, toi? T'es où? Ok. In vino veritas. Il veut pas, hein. Il veut pas se faire rattraper, hein. Un guide des lettrés de Bergen accorde un contrat. Ah bah. Bon bah, il va partir. Il va partir aussi, lui, hein. C'est pas prévu, mais bon. Bon bah, on va l'envoyer en mission lui aussi. Dit de les producteurs de Danzig. Bon. On va le défier avant. Il y a un problème? Madame, veuillez accepter ce poème de ma part. Ah ouais, d'accord, ça pour mettre un poème. C'est vraiment le roi des C'est imbéciles, ça. captif. Pour ce geste, je... Vous venez d'offenser quelqu'un. Préparez-vous au duel, ça me va avec un grand plaisir. Alors, quincaillerie, il me faut des gants de duel. Artisanat, gants de duel. Et il y a autre chose, non? Là, je sais pas où c'est. Je suis à peu près sûr qu'il y a autre chose, mais... senteur d'Artagnan et gants de duel. Je suis là. Parfait. Quand est-ce que ça... Oh là! Ah, c'est tout bientôt là. Attends, c'est où? Niveau timing, ça risque d'être un peu serré, hein. Tu me diras, j'ai pris de l'avance sur lui, donc La cour revient sur sa décision. moi je suis pas à l'heure, lui il ne le sera pas non plus. De tel qu'une bonne bière. Ouais, ça risque d'être tendu. Je vais y aller directement. Oui. Une guerre vient de rentrer de Oui. Constantinople. Très très bien. Tiens, bah, Je ne achète sens une pas chaîne ainsi toute ma d'échevin. vie. Hop, j'ai gagné de la réputation de guilde. Quelqu'un vient de vous parler.
Bien évidemment que je vais acheter cette chaîne. Trop tard? Comment ça trop tard? Et j'y suis hein, sur le duel. Ah oui, mais il est banni. J'ai oublié ce détail. Il pouvait pas venir. Oui, oh, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Avec plaisir. Alors, on va voir. Béni soient ceux qui acceptent. Célèbre. Recherché. Mince. Une menace contre vous n'a plus lieu d'être. Ah, tu m'étonnes. Jamais de la vie. Ce n'est pas toujours facile d'avoir à charge aussi bien la santé physique que morale d'autres personnes. Ça y est, t'as retrouvé le chemin de la guilde. Parfait, allez. Nouvelle chaîne. Je ne sais plus quoi faire de ces rats. Bon, et tu l'achètes Quelqu'un vient de vous parler. Voilà, oh, ça coûte cher cette chaîne par contre. Rien de tel qu'une bonne bière. Oui. Direction Hambourg. Ah bah impeccable lui aussi, il vient de rentrer. Allez, achète ta chaîne. Quelqu'un vient de vous parler. Il y a un problème. Comment ça, pacification? Mais ils sont tous morts. Un différent vient d'être réglé. C'est pas que je veux pas, mais je crois m'en être débarrassé, quoi, en fait. Avec plaisir. Yes. On s'entend bien avec des gens qu'on a tués, c'est trop cool. Ils nous ont pardonné dans l'au-delà. Donc qu'est-ce qu'ils me veulent encore? C'est une... Il y a des matières premières à vendre à un bon prix dans un comptoir. Trouillon. Ce n'est pas toujours facile. Tournillon, je veux dire. Tourillon. Ah. J'en ai à foutre, moi, les tourillons. La guilde des filous. Eh non. Je n'ai pas de filous parmi mes proches. Bon là. C'est la rentrée d'argent. On a dit nous, on dirait. Ça doit être l'heure de la messe. Vraiment que j'arrive à m'en débarrasser. Allez, tout le monde ici, s'il vous plaît, les gars. Le plus gros point de passage. T'en es où, toi? T'as t'es lent. Hein. C'est dingue à quel point tu peux être lent. T'es le plus jeune. Hein. Allez, mettez tous votre chaîne, là. Oh, la vache. Oh, oui. Alors, voyons voir. Si je regarde. On est célèbre. Et rechercher donc 61 et 177. On va laisser passer un peu de temps et on va voir si ça va changer ou pas quelque chose. Au travail. Rien du tout. Alors on s'entend bien avec plus de monde, mais pour le reste, pas terrible. On sait quoi faire ton prosélytisme, toi. Quoi maintenant? Je vais en profiter. Est-ce qu'ils vendent de la petite bière ici? J'arrive pas à voir, c'est trop rouge. Vos soignants ne peuvent pas soigner leur... Et j'ai l'impression qu'à Bergen, il y en a à vendre. Oui. Bon bah, redirection Bergen, les mecs. Hein. Rien de tel qu'une bonne bière. Hop là. En attendant, on économise. Ah bah tiens. Toi, tu vas aller au palace? Pourquoi? Pourquoi ils ont arrêté l'escorte, ces couillons là? Voilà. Alors, voyons voir. Je vais vérifier un truc.
Norvège et Angleterre. Très bien, très bien, très bien. Un bannissement prend fin. Je vois rien. Norvège, allez hop. Je ne vous apprécie guère. Merci de le faire au plus vite. Ouais, trop style. Où est votre pays? C'est des parasites qu'il faut éliminer. Ah, rien que ça. On aura un pari à moins 10. Aïe. T'inquiète. J'ai des sous. J'irai à l'armurerie. Dans un arsenal. On ira embaucher du monde. Je suis le maître. Pourquoi je les ai envoyés au marché déjà? Merde, j'ai oublié. Ah non, c'était pour de la petite bière. Oui, mais pas pour elle. Tiens, va miner. Ça va te faire les bras. Quoi, maintenant? Ouais, maintenant. Donc, petite bière. Jamais de la vie. Ah, c'est vrai qu'il fait du prosélytisme. Voilà, il a sa petite bière. On va aller acheter une recette à la guilde. Béni soit ceux qui acceptent. L'offre spéciale d'un comptoir est terminée. Je me demande bien qui a acheté ça. Hop, acheter un ensemble de fabrication. Quelqu'un vient de vous parler. Bien sûr. Direction la pâtisserie. Comme ça on en aura à vendre quelques-uns au cas où. Je ne sais plus quoi faire de ces rats. Oh, ça donne même de l'expérience en plus. C'est plutôt cool. Tiens, tu sais quoi? Et un sermon là. La dîme de l'église vient d'être modifiée. Hop, on va mettre ça dans la réserve. Si j'ai retrouvé, oui. Tiens, toi, tu sais quoi? Va à l'église, ça te fait du bien de temps en temps. Puis on sait jamais, peut-être que ça peut augmenter la réputation. Rien. Allez. Voilà. Vous êtes 2,5 là à faire. Ah, quoique, hein, pour 3 h du mat, y'a du monde, hein. Alors, attendez, bon, bah, le sermon il va être plus court que prévu. On va embaucher du merco, on va embaucher du mercenaire, je peux vous le dire les gars. Allez, viens là. Pourquoi je peux pas? Oh non, il est bugué. Je dois faire quelque chose au sujet de ces rongeurs et vite. Il est bugué, je sais pas où il est. Il est où? Qu'est-ce que tu fous? Allez, je t'ai demandé d'aller là-bas, voilà. Et on va embaucher du d'oisif, je sais pas si je peux les envoyer. Allez, debout les mecs. Oh, il a pu passer par là, dis donc. Tous les jours. Bon, on va mettre de la guilde. Si je regarde au niveau des réputations, j'ai gagné un peu. Alors.
embaucher des mercenaires. Les 10 canonniers, c'est très bien. En avant. 10 arquebusiers. On va se ruiner, moi je vous le dis, on va se ruiner. Oui, il en faut des piquets. Au travail. En avant. Oh, l'honneur impérial que ça nous donne. Ça, c'est plutôt bon. Hein. Je sais pas quoi, je sais pas vraiment trop à quoi ça sert, mais. Au travail. On va dépenser toutes nos thunes là-dedans. Au travail. Avec plaisir. S'il n'y a que ça. S'il n'y a que ça. Avec plaisir. Allez, encore. Au travail. Passer sur quelques arquebusiers. Ça coûte déjà plus cher les arquebusiers. Voyez. Ah merde, j'ai acheté des piquets. En avant. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, les canonniers. Ça coûte une blinde. Les canonniers, ça coûte vraiment une blinde. Allez, hop, 5. En avant. S'il n'y a que ça. Hop, et on va finir sur des arquebusiers. Au travail. Avec plaisir. Un petit dernier. Je sais pas du tout combien j'ai d'honneur impérial, mais je pense qu'on est pas mal. Je vais m'équiper vite fait. Je sais pas si ça va m'aider ou pas, hein, honnêtement. Hop. Hop. J'ai aucune idée de... Je vais acheter quelques balles et je vais participer. Et les pions là, ils peuvent y participer ou pas d'ailleurs? Ah, c'est une bonne question ça, je sais pas du tout. J'ai acheté quelques cartouches, vu que j'ai acheté un flingue. Hop. Je vais leur demander d'escorter lui et lui. Voilà. En espérant qu'il lui arrive pas malheur. Hop, tout le monde va arriver ici. Il y aura du piqué, du canonnier. Recherche de gloire et de fortune. Au niveau de l'inventaire, oui, on est bien quand même. Il est où? Il s'est quand même pas assis. T'es un souverain. Enfin, t'es un prince souverain, et ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a une offre de nourriture à bas prix dans un comptoir. Et les producteurs cherchent des marchandises. Ah, c'est con. Je ne veux pas aller en Norvège, comment ça? C'est juste à côté. Attends. On y est déjà, non? Ben oui, on... Attends. Ah, je suis dans l'ordre. Ah ouais, ben on y est déjà en Norvège, en fait. Vous y êtes déjà. Vos soignants ne peuvent pas soigner leurs patients. Moi aussi, je me demande. Allez, c'est parti. Allez, en route, mauvaise troupe.
le monde debout. Bah il se rassoit. Lui il a fait ouais non flemme en fait. Non, la France. Il a commencé à manier ses troupes contre une Norvège. Impossible de faire marche arrière. Voilà. Allez-y les gars, montrez-leur. En même temps avec tous les mercenaires que j'ai achetés. J'espère que ça va gagner parce que bon. J'avoue que sinon j'ai un peu la haine. Et surtout j'espère qu'il va revenir vivant. Allez, faisons une lance rapide. Tiens, je te refais un sermon. Ah non, tu vas juste prier. Y'a rien là-dedans, ouais, y'a rien. Hein. C'est un entrepôt qui n'entrepose pas grand-chose. Tiens, ils sont en production automatique, eux. Pas du tout. Oh mais putain, il a vache là. Y'a de quoi faire. Hein. Attends, gérer le bâtiment. Mettre en automatique. Achat et vente en ville. Voilà. Bon, j'ai débloqué quelque chose. Un prion. Une des filous, recherche des marchandises. Ça ne m'intéresse pas. On va payer des primes. On va payer une belle prime aux travailleurs. Donne des pièces à personne. C'est dommage quand même. Ouais, c'est surtout qu'on se fait mieux voir. Et ça donne de l'expérience. Sinon j'avoue que pas très très intéressant. On est recherché, célèbre. Et il a une femme lui ou pas? Non parce que je suis en train d'y penser mais peut-être falloir des... Ah ouais, ils ont quel âge? 19 ans. Artisan et producteur. Il faudra peut-être le marier lui un jour aussi. Hein. Déjà l'heure de partir? Ah bon? Faudrait que je le remplace, faudrait que je remplace l'artisan, mais. Que je remplace ma femme, mais. Puis-je aider? En vrai, qu'est-ce qu'elle a? Elle est niveau combien? 9. Après, en espérance de vie, il reste pas grand-chose. Ouais, je vais le faire maintenant. Je vais la retirer du groupe. Et à la place, je vais prendre. C'est lui? Artisan Lay. Ajouter au joueur, absolument. Oh, 71 ans et tu parles de meilleure partie? C'est quoi le délire? Filou. Parfait. Ne faites pas semblant d'être fatigué. Voilà, contrainte au mariage. Hop, on va aller se reproduire, bien évidemment. Un peu de robustesse. Il va remplacer sa mère. Voilà, Inga, tu auras fait de grandes choses, mais
Ça ne prendra pas longtemps. Ça ne prendra pas longtemps. Yes. La nuit ensemble, ça ne prendra pas longtemps. Tu fais comme tu veux, mon ami. Oh, tu vois. Non, t'es où, toi? Ouais, oui, voilà. Allez, fais tes choses. Fais ta chose. Et ensuite, tu vas postuler pour un nouveau poste. Le plus haut possible. D'ailleurs... Je vais aller en bourg et je vais voir s'il peut postuler, lui, qui n'a pas de poste actuellement. Bon, on va voir ce que ça donne. Au pire, je l'attribue propriétaire d'un des bâtiments en bourg, il sera peut-être... Faudra voir. Il doit avoir des hôtels ou un truc comme ça en bourg. Peut-être qu'il pourra vraiment postuler en bourg et devenir roi. Roi de Hambourg. Ça sonne bien, hein. Allez, prépare le sermon, toi. Nous travaillons consciencieusement dans mon commerce. Ah, déjà, c'est bien. Ah, il revient victorieux. Alors, victorieux, c'est bien. Ah, ça serait peut-être encore mieux, ça. Non, c'est là-bas. Alors, postule à un siège. Non, d'accord, ça me fait ressortir. Il y a peut-être une maison à moi dans le coin. Il y a forcément. Elle est à moi? Elle n'est pas à moi. Il y a une maison qui est à personne. Ici, c'est à moi. Ne faites pas semblant. Je vais me l'attribuer propriétaire et je vais voir si je peux modifier ça. Ah, si je peux faire en sorte de postuler pour dans une ville de Hambourg, à Hambourg, quoi. Attribution d'une résidence. Une assignation à domicile est instaurée. Vous avez un sort fièrement que la part présente. Une défaite écroisante, percepteur collecteur, prochainement à l'aide de guerre et redistribution équitablement aux villes et aux dynasties en participant au conflit. Très bien, ça. À part de butin. Ouf. Ah, quand même. Bon, tu me diras. J'ai dépensé un peu plus, mais... Par contre, je suppose que là, si je regarde ça... Pas plus que ça. Ah, je suis un peu dégoûté. Ah, je pensais que... Je pensais que ça aurait donné des bonus, mais apparemment non. Un peu triste. C'est pas grave. Non, c'est très bien, boule de cerise. Ah, donc. Je deviens bien maître de la guilde de Hambourg. Enfin, je devrais devenir maître de la guilde de Hambourg. Là, je suis considéré comme étant en bourg, donc là si je vais là, je peux peut-être postuler cette fois. Je suis considéré comme étant un habitant de Hambourg. Oh, il passe. Ah non, j'ai juste ultra lent par contre. Oh yes. Trop de candidats. Bien. Bon, au moins je peux postuler à Hambourg maintenant. Je vais peut-être pouvoir devenir roi un moment. Bon, je suppose que ça c'est pas possible. Quelqu'un vient de vous parler. Ainsi vous souhaitez obtenir un nouveau titre, hein? Mettez votre argent sur la table et je verrai ce que je peux faire pour votre... 1,5 million. Je vous préviens, inutile de marchander, vous... 1,5 million. Attends, quoi? Ah la vache. Il va falloir économiser les mecs, hein. Il va falloir vendre de tout. Hein. Alors d'ailleurs, en parlant de ça. Ah oui. Il me faudrait un. Une filoute. Ah bah attends, mais j'ai sa femme. C'est parfait. Hop, je fais juste le tour.
entre des voleurs, taverne malfamée, camp de voleurs. Ah bah c'est très bien tout ça. Non, elle est où? Elle est là. Commande voleur entre des voleurs et bouge. Ok. Ça ne prendra pas longtemps. Ok, ok. Attends, t'as une idée. Tu vas aller dans ta maison. Elle est où? L'hôtel particulier, ouais. Vous avez maintenant une fille. Moi. C'est joli. J'aime beaucoup. Hop, on va l'appeler l'eau. Hop. En avant. C'est la nuit ensemble. Ok, moi ça c'est bien, il m'aime bien maintenant. Maître de la guilde Bergen, artisan inoccupé. Je suis pas le maître de la guilde d'Hambourg. J'ai peut-être pas encore assez de... Nous voilà bien avancés. Bon, il attend sa femme. Je vais voir si je peux... Est-ce que je peux faire un... Il n'y a pas un truc comme quoi on peut organiser des fêtes? Non? Je suis à peu près sûr que ça existe. Oh la vache, ils m'aiment tous d'un coup. La vache. Le fait que je me sois installé en bourg là, ils me surkiffent. Attends, l'arrière-salle. Non, c'est peut-être pas l'arrière-salle, c'est peut-être plus le salon. Ah, c'est ici hein, qu'on peut organiser des choses. Hein. Viens là, toi. Que le chef de famille. C'est bien que ça. Ah ouais, bah là l'organisation m'a manqué, tu vois ça. Y a aucun problème. Ouais, oui, tout au max, bien évidemment. Célèbre troubadour de la lande. Bien soit. Allez, on va inviter du monde, on va inviter tout le monde. Merde. Ceux qui acceptent. Au travail. Avec plaisir. Ça va bien voir d'où. Avec plaisir. De la part de tous nos amis. Ça coûte combien? Je pense que c'est pas gratuit, plus on en invite. Ah bah je peux plus. Soit tout à fait enchanté. 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 Je serais tout à fait enchanté. Et je serais tout à fait enchanté. Voilà, on a eu que du positif aux réponses magnifiques. Bon, par contre, on ne peut plus en inviter. C'est dommage. Je sais pas quand est-ce que c'est. 23h, bon, ok. Juste après la mairie, ok. Bon, toi t'as pu faire ton banquet, dommage, hein, c'est ton père qui t'aura volé la place. C'est pas de chance. Bon. Voyons, est-ce que je peux postuler maintenant? Toujours pas. Et quand est-ce qu'elle a rendez-vous Putain, la journée... Ah ouais. Achète des matières premières. Ah ouais, 1440, voilà. Oh la vache. Oui. Est-ce que j'ai... Tiens, va travailler là, toi.
Je sais pas si c'est producteur ou pas. Ah, c'est Toto. Il est quoi lui déjà? Artisan. Orfèvre, ah bah voilà. Va à l'orfèvrerie. Il va travailler l'orfèvrerie. Fait-on. Ça, ça travaille pas là. Manuel. Ah, si. Automatique. Bah alors. Pourquoi ça achète rien? C'est quoi le délire? Pourquoi il travaille pas? Travailler là-bas. Hein. Tiens, va à l'église, toi. Toi, t'es où? Ah oui, tu prépares le banquet, c'est vrai. Tiens, va voir si t'as des petites bières. Je ne sais plus quoi faire de ces rats. Au marché, y a pas de petites bières. Avec des bières blanches. Faire quelque chose au sujet de ces rongeurs et vite. Eh ben on va économiser. Vos soignants ne peuvent pas soigner leurs patients. Il y a des résidents de Bergen. Je m'attends, mais ils vont le chercher loin, le charbon. La vache. C'est bien là, il a un peu de terrain, il donne une agilité, ça lui accélérera ses déplacements. La protection de Dieu vient de prendre fin. Quel dommage. Ah, j'ai du bateau. Ah, il y a de la cog. Il n'y a rien d'intéressant dans les comptoirs. Allez, on va terminer l'épisode ici pour aujourd'hui. Moi, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Voilà, on commence à avancer. On a en ligne d'Amir la place de roi. Rien que ça. Allez, je vous remercie d'avoir suivi, c'était Tiob. Ciao.